Catch me. Bibi. Andy Panda. Son petit coin pour manger là. Ça, c'est des photos de lui quand il était bébé. Sont en grève et ils paralysent plusieurs services. Près de 1000 d'entre eux ont manifesté ce midi devant l'hôtel de ville. Les syndicats réclament des hausses de salaire alors que la ville voudrait bien qu'ils fassent des concessions sur leurs avantages sociaux. Malgré avec cette grève, les négociations se poursuivent et les syndiqués se disent ouverts à un règlement, même s'ils sont prêts à faire la grève encore longtemps. Mes parents, dans leur jeune temps. Le Canada est devenu le principal producteur mondial d'ecstasy et aussi de méthamphétamine. Un rapport de l'ONU montre le trafic des drogues traditionnelles comme le cannabis et la cocaïne. Mon merveilleux coco. Au Canada, d'ailleurs, c'est la mafia. Souvenir de mes ancêtres. Enfin, je veux dire, de mes grands-parents. N'est-il pas merveilleux? Les produits chimiques qui sont utilisés pour fabriquer l'ecstasy. La production se déplace donc vers le Canada. La salle de bain. Non, disons qu'on peut penser tout droit. Ma chambre bordélique. Un poster dédicacé de Mario Belchard. Ma fabuleuse bol de toilette. Mais ça, c'est pas intéressant. Voilà, vous avez fait le tour du propriétaire. Je veux dire, de la locataire. Pour mieux m'exprimer. Et toujours ce chat. Collé à la fenêtre, qui n'en démord plus. Ah, il daigne nous regarder. Miracle. Un bébé. Dis bonjour à tous tes admirateurs. Oups, ça n'a pas duré longtemps. Mais écoutons.